Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo mais que je suis trop contente de filmer. J'ai trop hâte de voir la finalité de cette vidéo puisque aujourd'hui on part avec mon copain à Marrakech. À Marrakech, Sonel est super gentil et on nous a servi du petit thé à la menthe. Alors moi vraiment je déteste la menthe, mais là je vous jure que c'est, je sais pas comment dire, mais c'est tellement particulier mais tellement bon, c'est vraiment excellent, je suis fan, je suis trop contente d'être ici. C'est Marrakech. Oh ouais, non, vraiment très vu. On est sur le rooftop du Riad, bah, où on séjourne, et c'est incroyable, regardez la vue juste en vrai à la mosquée. Il y a la chaîne, je sais pas, des montagnes, là, je sais pas ce que c'est. Puis il y a une vue vraiment littéralement sur bah, tous les toits de Marrakech. Incroyable. C'est trop mignon. Donc le lit, okay. Et ensuite la salle de bain et la douche à l'italienne. J'adore. Pour rester ici, vu que Free, il n'y a pas de forfait avec le Maroc, bah, du coup on a pris une puce orange là. Une carte SIM qui coûte genre 10 euros, donc ça fait à peu près 100 dirhams du coup. Donc là on est dans la scooter. Là on est dans la médina, on vient de sortir du coup du Riad et on va en direction du quartier de Guéliz. En fait dans la médina il faut faire très attention parce qu'il y a des scooters absolument de partout. Là on est dans le quartier riche, je pense que ça se voit. Manger au Hazard Club, Hazard tout simplement, c'est un des meilleurs restaurants de Marrakech. Ici je voulais à tout prix voir des danseuses orientales, vraiment je suis un cliché mais je voulais trop voir ça. J'adore. Oh non, trop mignon. Pour le mec, gris, point de dégustation. Merci. Wow. Ouais. On a failli pas rentrer à cause de son short. C'est un short de sport. Donc au cas où, habillez-vous bien si jamais vous voulez rentrer au hasard. Ah bah tiens, c'est lui qui a jugé Constantin, qui lui a dit le short de sport ça va être compliqué. Bonjour tout le monde, aujourd'hui deuxième jour, enfin vrai premier jour en vrai. Je suis habillée, j'ai mis une petite combi short parce qu'il va faire quand même assez chaud, plus de 30 degrés. Allez, on y va. Est-ce que c'est connu pour le cuir ici? Ah ouais, toute neuve. Ah non, mais j'adore ça. Incroyable. Incroyable. Oh, j'adore. De bon matin, on s'est fait arrêter et attraper par ce monsieur qu'on ne connaît absolument pas, mais qui nous a amené au soi-disant marché de l'artisanat. Au final, c'est des endroits sympas où il voulait qu'on achète des choses. Bonjour. C'était pas du tout prévu, mais regardez, franchement, c'était super beau. Waouh. Oui, les deux, les déjà là-bas pour les deux, et les captains sont moi pour les deux. Laissez-moi vous raconter la fois où on s'est fait arnaquer avec Constantin. Tout d'abord, ça commence avec un simple jus, un jus d'orange. En fait, il y a un prix d'affiché, mais le prix qu'après il te demande est un dirham plus cher. Bon, c'est pas très grave. Et bien sûr, on s'est fait un peu arnaque sur les jus, mais bon. Et là, on va voir carrément un joueur de flûte pour le serpent, là. Incroyable.
Et là, tu vois direct que le mec, hop, il cherche à attraper les touristes, hop. Moi, je suis fascinée. Hein. Je suis morte de rire parce que Constantin, bah, du coup, il se fait attraper. Moi, je me dis, ça va, ils vont juste lui mettre un serpent, c'est trop drôle. Donc, je filme avec ma caméra, mon téléphone, je l'oublie complètement, je filme juste avec ma caméra. Et en fait, Constantin, pendant que je ne l'avais pas vu, il est en train de se faire demander 600 dirhams. Ça fait à peu près 60 euros. Constantin panique un petit peu, il y a 4 mecs autour de lui et des serpents. Et au final, il leur donne quand même 200 dirhams. Ça fait à peu près 20 euros. Mais ça, je le savais pas du tout, moi, là, au moment où je filme. Il me l'a dit qu'après. En plus, il a failli se faire attaquer par un cobra. Oh, c'est le serpent, il a failli t'attaquer, hein, no joke. Le singe, ça m'a fait trop de peine, ça m'a déchiré le cœur. Après, de toute façon, cette place, on est allé au palais de Baïa où j'ai fait la gueule parce que je voulais aller voir la police pour récupérer mes 20 balles. Être à Rome, le remake, de se faire alpaguer parce que vraiment on a des gueules de touristes avec la caméra. Donc là c'est à Koutoubia, c'est la mosquée et au final bon bah, de toute façon c'est fermé et c'est inaccessible au public, mais franchement très très sympa. Et vraiment il fait une chaleur, bon, là, il est en train de me mettre la putain de cloche, il est en train de me mettre sa putain de cloche dans les oreilles. Bref, non mais ils ont pas d'eau. Mon soif, les pauvres. Il y a carrément un panneau pour afficher les petits cheveux. Bubou. Oh. Ce qui est super beau ici. Bon, normalement, on n'a pas le droit de filmer, donc là, je filme avec mon téléphone. Il y a des fleurs différentes absolument de partout. Et ça, c'est super beau. La place de Jama El Fna. Et là je vais pas me faire entuber, c'est la place la plus stressante de Marrakech je crois. J'adore, ça brille partout, incroyable, trop beau. Oh c'est bleu, c'est quoi ce c'est bleu, ouais incroyable. Mais waouh, voilà. Et là il y a le café des épices quelque part là, voilà, il est juste là. Café des épices, on m'a dit d'aller là. Voilà, le rooftop c'était plein, donc on est ici et c'est très très bien. Elle est où la semoule? Il n'y a pas de semoule? Ah bon? Ça pique hein? Voilà. Donc là, on est au jardin secret. L'entrée, ça coûte 60 dirhams si vous avez entre 7 et 24 ans. Voilà. Condition impeccable. Salam alaikum, salam. Malaikum salam. Shukran. C'est pas malaikum salam, je crois que c'est si. Alaikum. Alaikum salam. Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'il a dit, ah, le mec, oui, dans le taxi. Peut-être salam alaikum, alaikum salam. Shukran, chouf, toubib. Sachant que ici, il y a beaucoup de berbères. Toubib, c'est médecin? Ouais. Jure? Ouais, ouais, je te jure, toubib, c'est médecin. Excellent! On dirait qu'elle comate. Laissez-moi vous montrer notre chambre pour ben, les deux nuits qui nous restent. Là, quand on ouvre, hop, on a les toilettes ici. Trop mignon. Ensuite, on a la vue carrément sur la piscine. Un grand miroir et la salle de bain. Trop mignonne. Ça, c'est moi. Coucou. Et enfin, la douche. Douche baignoire. Hein. Franchement, trop bien. Je viens de me changer, me mettre en maillot de bain. Au final, on va aller... Enfin, je vais aller surtout bronzer sur le rooftop. Là, j'ai pas mis mes chaussures. J'aurais pas dû.
parce que là je me crame les pieds. Il fait 33 degrés. Ouf. Oh my god. Ciao à tutti. J'ai changé, j'ai pris une petite douche, vite acheté à manger parce que là, moi je crève la dalle. Moi le 4h c'est le 4h, c'est assez sacré. Ah mais aussi là, je cherche à acheter de l'huile d'argan. Bien sûr, je vais dans une boutique, ouais, la dame, elle me dit 190 grammes. Ça va pas la tête. J'ai fini par trouver du chocolat. Il n'y a pas de supermarché ici donc c'est assez compliqué. Il y a des supermarchés mais ils sont super loin. Toute petite tablette comme ça, ça a coûté 7 dirhams. Il est bon, hein, chocolat au lait. On va faire un hammam. Et là, c'est le stream de Constantin. Et ça, c'est mon stream. Et il faut pas porter de haut. Donc voilà, seins nus. Bon, je vais poser ma caméra parce que j'ai déjà très chaud là. J'ai la peau extrêmement douce. Est-ce que ça se voit à quel point exploser ma cuisse hein? Les gars, je suis lessivée, j'ai les cheveux encore mouillés, mais c'était incroyable, je vous raconte ça un petit peu plus tard. Là, on va aller manger, on se dépêche. Il est 20h15, donc 22h en France. Autant vous dire que là, j'ai super faim. Ah ouais, moi non. C'est un burger de sardines. J'ai bugué. Petit tagine. Pomme, poire, confite, je crois. Ou marinée, je sais plus, avec agneau. Ok. Troisième jour à Marrakech, c'est parti. Oh Mimi. Là on est sur une place de marché dans le quartier nord. On est dans les endroits où il y a tous les taxis. Oh, oh lolo. Ah ouais c'est beau là. Ah ouais c'est sympa hein. On est au jardin Majorelle, c'est vraiment trop beau ici. Vraiment, je suis fan, c'est ce que je voulais le plus voir à Marrakech. Voilà, plein de cactus. Un petit chocolat viennois à 10h du matin pour reprendre des forces. Alors qu'il fait une chaleur ici déjà. Et plus de 25 degrés alors qu'il est même pas 10h. Et c'est trop mignon, ils mettent une petite citronnade. Il y a des pots partout, mais il y a surtout un pot, c'est le pot des pots. Oh, regarde la vue derrière! Oh là là! J'adore! J'adore! Je pense qu'ils ont la tête qui tourne un peu. Ah, voilà, c'est incroyable! Ce midi, on est retourné au Café des Épices pour manger des sandwichs kefta et des petites pommes de terre là. Trop mignon. Et avec la vue comme ça. C'est bon ? Mmh, miam miam. Là, c'est l'heure de la prière vu qu'il est midi et demi. J'ai complètement oublié de vous parler d'hier par rapport au hammam. Alors vraiment c'était une expérience vraiment que je vous conseille à 100% à faire à Marrakech. On a fait un hammam d'abord qui a duré une trentaine de minutes. Ensuite elle nous a fait un gommage.
Et ensuite, on a dû faire poser de l'argile aussi pendant, je sais plus, 10 minutes dans le hammam. Et enfin, on a fait un massage de 1 heure chacun, donc on était avec Constantin. C'était vraiment très 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 agréable. En fin de journée, on y allait à partir de 17h, un truc comme ça. Et on est sorti, il faisait nuit. Là, je me suis changée et on va faire l'activité que j'attends le plus, que j'ai réservée même avant même de venir. C'est le dromadaire et le quad. Fous de ta gueule. Et là, on va faire le cloud, le quad. Il y a le petit bébé, il est en train de boire. Oh là là. Oh petit bébé. Oh là là. Bébé, oh. C'est un no. Oh my god. Oh là là. Oh il s'est pris. Oh. Regarde ça, il est trop beau. Si on voit à quel point j'ai de la poussière sur le visage, mes cheveux sont secs et tellement pleins de poussière qu'ils en peuvent plus. Mon short il est absolument plein de poussière aussi. Là on attend la navette qui va venir nous chercher pour nous ramener au riad, enfin à côté du riad. On vient de finir, on vient de sortir de la voiture. C'est super beau. Il y a plein d'endroits cachés à Marrakech, il ne faut pas hésiter à rentrer. Bah là, c'est bien. Ouais, ouais, c'est super beau. Hein. Purée. C'est votre première fois à Marrakech ? Oui. Là, on va retirer pour la dernière fois de la soirée, enfin du séjour. On va retirer une 30aine d'euros à peu près. Et oui, je me suis encore changée pour la 3e fois de la journée. Et là, c'est l'heure de la prière parce que j'entends dans les haut-parleurs là la prière. Incroyable. Une nouvelle marque d'eau parce qu'ici je ne bois que de l'eau en bouteille et Constantin aussi. Faible en sodium, nouvelle marque, c'est Ciel. Et ben c'est la meilleure qu'on ait bu ici. Je vous conseille si jamais vous allez à Marrakech de prendre cette marque. Ah d'accord. Je ne pouvais pas résister, au bout d'un moment j'avais trop envie de pâtes. Et lui encore une fois un tagine. Waouh. On est rentré au riad après le resto et en fait c'est trop mignon parce qu'ils ont laissé 2 petites roses comme ça dans un petit pot. Trop mignon, ça y était pas tout à l'heure dans la journée et je trouve ça vraiment trop gentil. Là il faut vite qu'on dorme parce qu'il est 22h et qu'on doit partir à 4h. On a appris que ici il y a un décalage horaire, enfin il y a un changement d'heure qui va se faire pendant la nuit. À 4h il sera 3h du matin, un truc comme ça, donc voilà, il faut que ça tombe bien sûr le jour où on doit partir nous. Bonne nuit, à demain, bye bye. Bonjour, il est 4h du matin à Marrakech et il est l'heure pour nous de prendre l'avion. C'est 4h du matin, c'est normal. Bye bye Marrakech, that was fun, very fun.